pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Tu vas la fermer ou bien je t'en mets une autre? Une brique, ça te suffit? Combien il faut casquer pour que tu la boucles? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Tu sais qui c'est la fille que tu viens de frapper là? Pas envie de faire sa connaissance, elle a une trop grande gueule. C'est ma femme. C'est un couteau qui a jamais servi ça. Je pourrais parfaitement l'inaugurer. Alors bouge pas, je vais te faciliter le travail. Tiens, vise en dessous de la ligne de flottaison, sinon le bateau écoule pas. Profites-en, l'équipage est bourré. Marrez-vous. Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé à la casserole. T'as réfléchi un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop! Oui, bah maintenant c'est à ton tour, il faut que t'en tâtes. Et puis de la grosse, de la bien congestionnée. Bah, je suis désolé de te décevoir, mais j'en ai pas envie. T'as qu'à faire comme moi. T'as qu'à te forcer. Une fois que c'est dedans, le plus dur est fait. Bon, ne sois pas vulgaire, Monique, s'il te plaît. D'abord, une femme, c'est pas pareil. Mais c'est pas un PD, ce mec-là. C'est pas possible. Qui prétend que j'en suis, hein? Une serrure, il faut que ça mouille. C'est comme tous les orifices. Tu la démarres à la salive. Et t'attends qu'elle se donne. J'ai dit en l'aide ta main de ma braguette. Oh, bah dis donc, il est pas aimable. Je suis très aimable, mais je suis pas PD, nuance. Mais personne t'a jamais demandé d'être PD. Quelqu'un lui a demandé d'être PD? Non, je crois pas. Tu serais pas en train de me faire un coup fourré, toi, par hasard? Comment ça? Faire semblant d'être pédé pour mieux pouvoir baiser ma femme, par exemple. Tu sais que t'es beau, toi, quand tu te fais du souci. Non, bah, me demande pas ça. C'est juste pour sortir. Ce soir, je t'emmène au bal. Attention, butane! Attention, butane! Allez, encore, ça va te calmer les nerfs. Oh, bravo! Attention! Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière! Oh!